Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons corriger la quatrième et dernière partie du concours Miss Math Prince Math 2023, organisé par l'Académie de Kaolack. Ici, le niveau, c'est la classe de quatrième. C'est un concours pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Donc, on y va pour le dernier exercice, l'exercice 2. Notez sur 3 points, on vous dit un motocycliste quitte Tambacounda, une région du Sénégal, à 8h15 minutes et arrive à Kaolack, une autre région du Sénégal, à 22h03 minutes. Cependant, il n'a pas mis tout le temps du voyage à rouler. Son temps de repos a finalement pris 3 cinquièmes du temps du trajet. Voilà, donc il s'est reposé, n'est-ce pas? Et le repos occupe 3 cinquièmes du temps du trajet. Maintenant, calcule sa vitesse moyenne de roulement, sachant que la distance Dakar-Tambacounda est de 276 km. Voilà donc l'exercice. Vous pouvez faire une capture d'écran. Essayez avant de voir la solution proposée ici. Alors, on va donc calculer le temps du trajet qu'on va appeler T. Le temps du trajet, donc, c'est 22h03 moins 8h15 minutes. Donc là, pour faire cette opération, on l'a fait dans le cycle primaire. Donc, il suffit donc de dire que T est égal à, on prend une heure qu'on ajoute à 3 minutes. Ça fait 63 minutes. Mais quand on prend une heure sur 22 heures, donc le temps sera 21 heures, c'est 63 minutes, moins 8h15 minutes. Voilà, maintenant, l'opération est devient plus simple. Parce qu'on fait la différence des heures et la différence des minutes. 21 moins 8, ça donne donc 21 moins 8 heures. Et le nombre de minutes, c'est égal à 63 moins 15 minutes. Finalement, on trouve pour T 13h48 minutes. Ça, c'est le temps du trajet. Bien, maintenant, le temps de repos, c'est 3 cinquièmes de T. Par conséquent, le temps de roulement, le temps donc qu'il a roulé avec sa voiture, occupe les 2 cinquièmes. Parce que 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes donne 1. Alors, 2 cinquièmes donc du temps, donc c'est 2 cinquièmes de 13h48 minutes. Bien, maintenant nous allons convertir tout en heures. Déjà 13 heures, c'est déjà en heures. Maintenant, c'est les 48 minutes là qu'il faut convertir en heures. Bon, nous savons qu'une heure correspond à 60 minutes. Maintenant, 48 minutes correspond à combien d'heures? Combien d'heures? Et là, on note ça x. En utilisant donc la proportionnalité, on a donc x qui est égal à 48 sur 60, mais en heures. Or, 48 sur 60, c'est 0,8 heures. Par conséquent, le temps où il a roulé, le temps de roulement, est égal à 2 cinquièmes de 13,8. Et ça donne 5,52 heures. 5,52 heures. Donc, il a roulé pendant 5,52 heures. Bien. Maintenant, comme le temps de roulement est égal à 5,52 heures, alors que la distance Tambacounda-Kaolack est de 276 km, donc on a déduit la vitesse moyenne. Donc, vitesse moyenne est égale à donc distance sur le temps mis. Donc, la distance est 276 sur le temps mis. Et on trouve donc finalement que la vitesse V est égale à 50 km/h. Voilà donc pour ce dernier exercice du concours Miss Math, Prince Math.
Donc à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.